fin heureuse, je crois, de cette de journée presque, cette grande journée, pardon, qui a consisté à faire en sorte que nous puissions récupérer sans dommage cet homme monté dans la grue. Je dois souligner le rôle tout à fait important des sapeurs-pompiers du Grimp qui, toute la nuit, toute la journée, ont été à son contact et ont joué un rôle déterminant dans la fin de cet épisode. Le rôle déterminant des négociateurs du RAID. J'avais fait appel au RAID non pas pour une intervention par la force, mais pour permettre une négociation. Je crois que chacun a conscience que dans ces situations de séparation assez conflictuelles, on peut avoir à certains moments des situations de crise. C'est la situation dans laquelle on s'est trouvé au cours de cette nuit et de cette journée. Au terme d'une discussion qui a été longue, qui a été faite, comme ça a été indiqué, par des négociateurs du RAID, on a pu parvenir à donner un certain nombre d'éléments de réponse à M. Abdennoury. Ces éléments de réponse, dans la mesure où son épouse est actuellement au Maroc avec cet enfant qu'il n'a pas vu déjà depuis plusieurs mois, cet élément de réponse consiste à l'aider dans ses démarches au Maroc pour pouvoir revoir son enfant. J'ai pris contact avec le magistrat de liaison qui est en poste donc à Rabat pour que dès que M. Abdennoury retournera au Maroc pour voir son enfant, il puisse être accompagné dans ses démarches et que même ces démarches soient précédées d'un travail par ce magistrat de liaison qui aura le contact avec le consulat et essaiera d'avoir une approche avec la mère pour permettre au père de revoir son enfant dans les meilleures conditions. Oh, mon rôle est un rôle d'appui à celles et ceux qui ont mené la négociation depuis cette nuit. Je veux d'ailleurs féliciter les équipes du RAID, le commissaire, le chef de l'équipe du RAID qui était là, et la négociatrice qui a joué un très grand rôle, parce que sans doute c'était une négociatrice. C'était une excellente suggestion du commissaire chargé de l'équipe du RAID, et puis pour accompagner le procureur de la République, qui a lui aussi joué un grand rôle dans la négociation, notamment en matière d'écoute. Le fait que le procureur de la République ait pu obtenir qu'un magistrat médiateur là-bas sur place puisse l'accompagner dans ses démarches, l'a convaincu au-delà de la rencontre qu'il demandait avec tel ou tel ministre, l'a convaincu que peut-être cette fois, la justice l'avait entendu. Ce que je souhaite, c'est que, sans en arriver à de telles extrémités, ces situations, qui ne sont pas les seules, puissent être résolues par l'écoute de la part de la justice.